C'est chouette d'entendre la nature et de la regarder. J'aime bien me rouler dans l'air. J'aime bien le bruit du vent, j'aime bien le bruit des arbres, j'aime bien le bruit des oiseaux. Le paradis de papy, c'est... C'est quoi ça ? Le potager. Le potager. Papy prend soin de ses légumes. Il pourra passer sa vie à les regarder pousser. On est vraiment dans un lieu de sensibilisation à l'environnement. Vraiment par leurs mains, tout leur corps, leur cœur, leur tête. Pour y aller dans le jaune, ok. Dans un enseignement spécialisé, c'est primordial pour les enfants de se retrouver en contact avec la nature. Ils développent leur créativité, leur sens de l'entraide, de coopération. Le langage est aussi développé, donc tous les sens sont mis en éveil quand on est dans la nature. Vas-y, les oignons. Hop. Ben regarde, ce qui doit encore être arrosé. Bien, Erwan. Attention de ne pas marcher dessus, hein, chou. C'est presque une révolution parce qu'on a des enfants qui en classe ne tiennent pas en place sur leur chaise, alors que dehors, eh bien, ils font tout ça naturellement et ils sont dans une présence aux apprentissages parfois bien plus élevée qu'en classe. On remarque que les enseignants, comme les enfants, sont plus enthousiastes et plus motivés quand on apprend dans la nature. Voilà.